Hop. Ouais, bonjour messieurs, ici Boss, je viens d'arriver en ville. Je vais me rename par contre, donc je vous redis plus tard. Ouais, école de même, bien pris. Fuchsia pour radio, je viens d'arriver en ville. Messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Boss est mort, mais Azure vient d'arriver dans le groupe. C'est okay. Laquelle la bonne nouvelle? Azure vient d'arriver dans le groupe, n'oubliez pas. Non, ça c'est la mauvaise, mais la bonne. La bonne c'est Azure que vient d'arriver dans le groupe, n'oubliez pas. Ah bah, ok, je vois. Il y a voiture de flic, beaucoup de voitures de flic devant l'hôpital. Ok, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde à l'hôpital. Je vais prendre un peu de service et je vais voir un peu ce qui se trame. Est-ce que je lance des recrutements pour dans une demi-heure, Poison? À 22h10, je fais déjà un recrutement et ouais. Ok, c'est parti, ça part. Je reviens de l'hôpital, ils ont pas voulu dire ce qui se passait. Juste okay. Un petit souci. Ok, l'annonce est partie, pub ton petit bandeau et on est bon. Ah, effectivement, l'argent descend, va falloir qu'on trouve des nouveaux employés rapidement. On est à combien là? 22 000. De Silver, je viens de quitter l'hôtel. Bonsoir Silver, mauvaise nouvelle, Boss est mort, mais Azure a rejoint le groupe. Ah, ça c'est effectivement une mauvaise nouvelle. Quelles circonstances? Aucune. Changement d'identité, c'est tout. Ah, tu me rassures. Bonjour Galagan, c'est un enlèvement. Bonjour, vous allez bien monsieur? Très très bien. La prochaine fois, faudra dire un mot de pas me laisser la petite porte de derrière. C'est vraiment pas sympa là-bas, il y a des putains de clodos et ça pue. Ouais, je t'emmène où, dis-moi? Aucune idée. Ok, tu vas aller où? T'es malade? T'as besoin de soins? T'as besoin de ton véhicule? T'as besoin de quoi? Je veux bien mon véhicule, ça doit être à la fourrière dans ce cas-là. Bon, une fois que t'es plus à la raffinerie, tu comptes faire quoi? Je sais pas encore, j'ai pas vraiment réfléchi à l'après. Déjà, j'attends qu'ils me disent oui pour la raffinerie, parce que ça fait 5 fois qu'on me dit oui et qu'au final, ils se pointent pas au rendez-vous. Après, j'ai envie de te dire, si le service taxi ça t'intéresse, tu sais quoi, tu peux venir, hein. Ouais, je me doute. Je pense que ça pourrait être une bonne chose, ouais. En plus, c'est plutôt tranquille avec les clients, c'est plutôt, tu vois. Bon, par contre, je te cache pas qu'il risque de m'arriver des choses incongrues. Bon, très prochainement. Ah, qu'est-ce que t'as fait encore? Eh ben justement, j'ai pas fait grand-chose, mais bizarrement, mon nom sort de la bouche de personnes que j'ai même pas croisées, que je connais même pas, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu te doutes bien que le marteau va tomber, hein. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas grave, hein. Suffit de leur faire tomber sur la gueule avant. Je serais solide, hein. Ouais, mais j'attends, tu vois, tu sais, c'est limite, je demande, hein, à ce qu'on m'enlève, tu vois. Mais personne ne fait, parce que dans cette ville, il n'y a que des salopes sans couilles. Ouais, beaucoup parlent, mais très peu agissent. Ouais, exactement. Je sais pas ce qu'ils attendent pour agir, pourtant, hein. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un dossier de la taille de mon chibre, hein, sur moi, hein. Ah ouais? Ouais. Ah bah, tu sais, si quelqu'un peut gratter 20 balles, il le fait, hein. Il y aura forcément des pigeons pour accepter, hein. Mais écoute, en tout cas, on t'attendra au service taxi si t'as besoin d'un boulot. Ouais, pas de problème. Ça peut être intéressant. Ça peut m'intéresser aussi. Je pense que moi, dirais pas non, et puis ça te permettra de décompresser un peu. On est en centre-ville, c'est plutôt cool, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, vas-y, je te la fais gratuite celle-là. La dernière fois, tu l'as fait. Ah, super, merci. Et d'ailleurs, t'as vu, j'ai réussi à réparer ma radio sans les 150 balles, hein. Ouais, c'est quand même voilà. Tiens, attends, je ferme ta porte. Ouais, merci. Allez. Merci au fait, hein, pour le message, Fouchir. À ton service. Oh putain. Allô. Allô. Ouais. Oui, c'est Gino. Oui, ça va, Gino. Bah, comment vous allez? Ça va très bien. Bah moi ça va super. Est-ce qu'on peut se voir, vous savez, pour l'entreprise que vous nous aviez parlé? J'ai eu Monsieur Rousseau là au garage. Ouais, on peut se voir. Est-ce que vous avez des dispos? On fait quelques recrutements. Vous êtes disponible quand? Vous êtes disponible maintenant là? Maintenant ou tout à l'heure dans une heure, mais ce serait mieux maintenant. Là, on n'a rien à faire, comme vous voulez. Ok. En plus, on a Monsieur Rousseau à côté, donc on peut en discuter tous ensemble. Ok, bah allez avec Monsieur Rousseau quelque part, s'il vous plaît. Donnez-moi un point, j'arrive. Ça marche, ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De Silver pour tous. Je vais aller vendre la société à Gino et Vito dans très peu de temps, dans un peu moins de 5 minutes. La manière dont ils me l'ont proposé, c'était quand même assez suspect. J'arrive. Fais en sorte que je sois là, s'il te plaît. Ouais, bah ils vont m'envoyer une position, si tu veux, si on peut se rejoindre, si tu préfères. Ouais, j'arrive. Allez, on y va. Présent pour radio, je viens de voir Gino et Vito qui étaient le Bénise en berline noire avec un homme noir à l'arrière de leur voiture. Ok, masqué ou pas, l'homme noir? Non. Il était habillé en noir, hein? Non, il est noir. D'accord, ok. Ça devait être le mécanicien. Tu penses? Ouais, c'est un mec noir qui m'a réparé la bagnole tout à l'heure. Ok. J'entendais ton super klaxon, mais je voyais pas ton véhicule, je commence à m'inquiéter. Ouais, t'inquiète. Attends, je mets de l'essence. Je sais pas pourquoi mon bras gauche, je le mets là, tu vois, mais bon. Ah, mais c'est la télépathie, ça. Bon alors, attends, c'est quoi qui te fait peur? La manière dont il l'a dit. Ouais, il a dit quoi? Il a dit, on va aller régler notre affaire dans un coin, sachant qu'il... C'est peut-être parce qu'il y avait du monde, non? Non, parce qu'ils ont bien insisté pour me donner un point de rendez-vous. Là, je leur ai envoyé un message en disant que de toute façon, il faudrait qu'on soit à la raffinerie pour faire les papiers. Ils m'ont dit, ouais, mais on ira d'abord dans un lieu plus tranquille. Ouais, mais t'inquiète, je serai là, hein. Ils m'ont appelé pour que je vienne, justement. Ok. Et ben, on verra bien, écoute. Parce qu'en soi, ça leur fait quand même une grosse somme à sortir, hein.
Ça fait combien ? 50 000. Ouais, mais c'est nous qui allons sortir le reste, justement. Mais moi, j'ai peur qu'ils fassent des conneries avec. Attends, je les appelle. Va falloir que je surveille aussi la... Si jamais à 20h30, tu sais, j'ai fait... j'embauche... D'ailleurs, ça t'intéresse ou pas ? Allô ? Ouais, ça m'intéresse. Ok. Ouais, Gino, ça va ou quoi ? Oui, ça va, et toi ? Ouais, d'y voir, à 22h30, je dois passer 2-3 candidatures avec, avec Mo. Je te dis, vers 50, tu seras OP. Ok, ok, on peut remettre ça tout à l'heure, hein, y a pas voilà. de souci. Vers 22h50, s'il vous plaît, messieurs. Ok, y a pas de souci, j'informe... merde, comment il s'appelle ? Rosso. Ouais, ok. Ok. Vas-y. À tout à l'heure. Ouais, il est en face de moi, il est informé. Hein. Ok. Bon, écoute, va au service taxi, fais comme si tu voulais passer un entretien comme tout le monde. On se connaît pas, t'oublies pas. Donc tu fais comme si tu voulais passer un entretien, tu te présentes et tout, et tu te doutes bien que tu seras dans les petits papiers. Ouais, je me doute. Par contre, faudra pas me mettre tout de suite sur la liste, parce que sinon je pourrais pas leur refiler la société. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faudra pas m'engager tout de suite, si tu préfères. Bien sûr, t'inquiète pas, c'est bon. Mais au moins, on pourra faire ça ce soir. Tu peux expliquer la situation à la radio, s'il te plaît ? Ouais, pas de soucis. Merci. De Silver, mon rendez-vous avec Gino et Vito est repoussé à 22h50 après les entretiens de la raffinerie. Une fois mon poste de la raffinerie, enfin de patron de la raffinerie quitté, j'intégrerai normalement le service de taxi, si mon entretien se passe bien. Et T'es viré. Par la suite. Ok, merci, super. Bien reçu, bon chance. En vrai, j'aurais préféré aller chez les journalistes, mais bon, on me force la main pour les taxis. Bon. Mais personne te force la main, va chez les journalistes. Non, non, je sais, t'inquiète c'est pas. Juste je préfère pour être chez les taxis. Hein. Ouais, je sais, mais je préfère être chez les taxis, ce sera plus simple pour avoir des infos. Fais gaffe, parce que nous, on est un peu le centre. T'es pas sûr de ça. Hein. Mais de toute façon, journaliste, on peut pas, c'est capé à 5 maximum. Hein. Ouais. Par contre, chez nous, y'a pas de clients, en vrai. J'ai plus de sous dans les caisses, alors c'est mort. Oh, ça se crée les clients. Bah par contre, ma sœur, tu sais quoi ? J'ai pas envie de m'occuper de ton affaire, donc hop, tu dégages. Oh, okay. Tu descends de la voiture. Allez, descends. Voilà, je vais plus te voir. Hop, en plein milieu de l'autoroute, j'en ai rien à foutre. Hein. Allô ? Ouais, ça va, Parkinson ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va, ça va. T'es en service là ou pas ? Ouais. Tu peux t'isoler et nous expliquer ce qui se passe, s'il te plaît, à la radio ? Ouais, ça marche. De manière chuchotant ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Allez, vas-y. Le beauf, là. Ouais, c'est un enculé. Je t'ai entendu. Call pour radio, du coup, à l'hôpital, il y a beaucoup de monde, beaucoup de flics. Il y a les mecs là, qui parlent de l'Est, ils sont beaucoup, hein, dont la meuf. Ils attendent leur pote qui apparemment s'est pris un coup de râteau. Il y a eu deux de mes collègues, Kelly et Johnny, qui sont fait enlever pour un braquage de banque, pour être otage. Ok. Donc les flics sont là pour ça, je pense. Et c'est tout, par rapport à tous ceux qu'il y a dans... Il y a que eux deux, hein. Il y a surtout beaucoup de flics et surtout des Russes. Enfin, des Russes. Les gens de l'Est, quoi. Ok, ça roule. Poison, je vais devoir retirer 200€ de la caisse pour réparer le véhicule que tu viens de niquer. Tu vas rien retirer du tout. Et crois-moi que si, parce que je suis le directeur. Et moi, je vais retirer 15 000 de la caisse pour la droite que tu m'as mis. Concrètement, non, t'es éco-directeur, tu n'as pas le droit. Oublie pas ton statut. Je vous préviens si j'ai d'autres trucs. D'accord, merci à toi. Bon, en gros, bon allez, occupe-toi des trucs. C'est parce que t'as dit beauf. T'es un beauf. Tiens, fils de pute. C'est nul. T'es nul, toi. Attends. Oh putain. Sacré saut. Oh là. Ah, t'as toujours rushé fou, toi, hein. Allez, file là-haut, toi. Putain. Oh putain, ça a changé, chiant. Allez, hop, ça sera 1000, hein. Et qu'est-ce que tu branles, putain? Va voir moi, il s'occupera de toi. Ah, pourtant, t'as demandé de monter, là. Mais je sais personne, t'as dit de monter. Bah, juste, c'est toi qui m'as demandé de monter, t'es con, quoi. Allez, bon, messieurs. Bienvenue au service taxi. J'espère que vous allez bien. C'est moi qui va s'occuper de vous. Ouais. Donc, messieurs, bonne chance à vous en tout cas. Merci, hein. Passez avec le meilleur. Voilà, je vais réparer la moto. C'est ça. Ah, mais c'est parce qu'il a dit beauf. Je m'en fous, j'ai donné le dernier coup, ça me va, hein. Bonsoir, messieurs, vous allez bien ? Bonsoir. Bonsoir. Très bien à vous ? Ça va, ça va. Je l'ai confondu avec mon shérif. Ah, vous parce qu'il y a tous, un shérif. Vous travaillez tous. Non, non, pour le shérif, que moi. Non, alors, que c'est moi. Qui moi ? C'est moi. D'accord, enchanté monsieur. Ouais, enchanté de même. Vous êtes cadet, vous êtes où vous... Quoi ? Je sais pas, bah y a un système de cadet là, non, à la police ? Non, c'est junior. Ah d'accord, c'est au nord, c'est différent. C'est ça, ouais, c'est, au nord c'est différent. D'accord. Moi je suis caporal. D'accord. Chef d'unité. Ah là là, le chef d'unité. Excusez-moi monsieur.
Non, ça va, tranquille. Ashley, faut que je te parle. Urgence vitale. Oh putain. Oh putain, vous allez bien, Brice? Attends, je reviens, je vais chercher. Docteur Flanagan, comment ça va? Ouais, ça va très bien. C'est une urgence vitale. Ah, vous êtes pas docteur, c'est moi le médecin. Ok, j'arrive. Ouais, vas-y, vous pouvez me soigner vite fait. Ouais, attends, tu me bloques. Ouais, bien sûr, on va voir ça. C'est pas grand chose. Bon, qu'est-ce qui se passe, monsieur Regan? C'est rien, je suis tombé. Vous êtes tombé? Ouais, je suis tombé sur moi. Et on s'est fracassé la gueule. Mais bien évidemment, en tant que pote. Hein. Ah, vous êtes mis sur la gueule? Ouais, on s'est enculé, hein, faut le dire. Ah bon, bah, ok, bah, au moins avec vous, on sait mais quoi. Mais pas au sens propre, putain! Brice, va un effort, bordel, là! Ah bon? Ah, non, mais je sais pas, moi, vous faites ce que vous voulez, votre life. Hein, on s'est enculé sur la gueule, tu vois, on s'est démonté, putain. Ah, faites ce que vous voulez de votre life, monsieur Ronald Reagan, y'a pas de problème. Ah, bah, ça fait mal, hein. Ah, ouais. Bah, justement, vous allez enlever tout ça, qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Oh, putain! Ah bah il faut bien. Allez, parce que c'est vous, hein. Vraiment parce que c'est vous, hein. Ah bah si c'était pas moi, si c'était Kelly. Mais il se passe quoi là, putain? Ça se fracasse ou quoi derrière? Ouais, sûrement. Bah c'est venu un ring de boxe, l'hôpital. Voilà. Vous voulez que je vous montre mes fesses ou pas? J'ai une technique ancestrale. Attendez, je vous les montre quand même. Mais va falloir soigner vite, hein, par contre. Hein. Vous êtes prêts ou pas? Je m'attends au pire, ouais. Ah mais non, mais vous inquiétez pas, mettez-vous derrière. Derrière, là? Allez, go! Regardez-moi ça! Waouh, ouais. Ouais, on m'appelle QDS ici, hein. Ah ouais, voilà, attention, ne mettez pas le pied quand même trop loin. Attendez, je finis ma séance de yoga, c'est important le yoga, d'accord? Oui, mais détendez-vous, faites bien... un beau yoga en plein examen. Attention, hop, retournez-y. Ah ouais, c'est... Voilà, ah bah c'est toujours impressionnant, je sais. Hein. Vous êtes très souple, hein. Merci. Bon, ouais. vous faites du pole dance le soir? Ouais, je fais beaucoup de choses, vous inquiétez pas. Hein. Allez, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire pour vous, ça a pas l'air bien méchant. Vous avez mal où, surtout? Ah, au téton. Eh ben, on va faire une ablation des tétons. Ah, mettez une petite pommade sur mes tétons, s'il vous plaît. Allez-y doucement, ils sont tout durs. Hein. D'accord. Au niveau local, juste les tétons, rien d'autre. Ouais, vraiment, mais vraiment à l'épicentre. Hein. Faites le tour un peu comme ça. D'accord. Allez, on va faire bien le tour de vos tétons. Voilà. Oh putain. Ah, ça fait du bien. Hein. Vous avez vu un petit peu comme je suis doué? Ah, ça, vous avez un maniement des tétons, je vous raconte pas. Alors, en général, je fais ça avec les gonzesses. Hein. Mais bon. Ouais, pour vous, je ferai une exception. Hein, je peux mettre une perruque et vous m'appelez Myriam, hein, y a pas de souci. Hein. Josette, je préfère. Faites vos plus grands rêves. Hein. Y a pas de problème. Ah, faites le téton, il est jaloux. Hein. Je vous ai fait deux cercle, je peux vous faire un petit truc au niveau du lombril. Du chien pour radio, je suis allé à l'SPD, je suis reparti aussitôt. Hein. Ah, bah voilà, vous avez tombé toutes les meufs ce soir, vous avez sorti comme ça, c'est nickel. Il y a 06 voilà. Et 74. Bon, allez, je vous fais un petit je me suis barré. Pour finir, et puis on est bon. Oh, voilà. Finition manuelle, ça me plaît ça. Voilà, bah toujours. Ah, je viens pas pour rien. Attends, je suis chirurgien, faut pas déconner. Voilà. Bon, allez, on est bon. McMartigan, c'est bon pour vous. C'est bon. Oh putain, merci, attendez. Allez, vous croyez que je peux renfiler des affaires comme ça? C'est la merde en plus. Hein. Déjà, pantalon, hop, et le haut. Hop, voilà, ça pue comme jamais. Et eh bah ben, merci en tout cas, monsieur Boris. Et pas de soucis, à très bientôt. Service. Allez, salut. 16 500. Ah, mais c'est du consommable ça. Bonsoir, ouais. Monsieur. Bonsoir. Monsieur, vous pouvez me dire votre numéro s'il vous plaît? 12. Ah, ça va. C'est 2 steaks. T'as un sandwich pour moi s'il te plaît? Y'a pas de quoi s'inquiéter, ça sent pas trop l'or à crever par ici. Ouais. T'aurais pas une pizza pour moi s'il te plaît? Ouais, non. T'aurais pas des sushis par contre s'il te plaît? Non, une kebab aussi. T'aurais pas une côte de bœuf pour moi s'il te plaît? Je suis allergique au chat. Une entrecôte saignante s'il vous plaît. Je suis allergique au chat. Au fait, c'est qui le chat, monsieur l'agent? Ouais, c'est qui? C'est le chat. Attendez, je veux dire, tout le monde laisse ses bras au son corps, ok? Ouais. Dernière nouvelle, ça serait monsieur Racal. Mais c'est pas possible. Bah si, je l'ai tasé. Mais vous l'êtes taisé quand? Il est malade? Il y a longtemps. Oui, bah justement, entre temps, le chat mais est. Non, mais la dernière fois c'était Parkinson. Ah, bah c'est Ah, oui, c'est Parkinson, oui, c'est ça. Mais il est où? Ah, okay. J'ai chopé le. Ah non, attendez, regardez. Pardon, j'ai ensuite. Pas devant l'hôpital, hein. Pas devant l'hôpital. Mais on fait que jouer au chat, vous inquiétez ouais, pas. Ouais, mais les poils de chat et tout dans un hôpital, ça va. Allez, passez une bonne soirée, hein. À vous de même, bonne soirée. Au revoir. Eh, Johnson va pas à la LSPD, hein. Ça sent le raccrever, hein. Ouais, j'ai entendu, il y avait de la salope, t'inquiète pas, je comptais pas y aller. Allez, vas-y, je te dis à très vite. Fuchsia pour Azure, il y a une berline noire qui te suit. Et il y a une voiture de flic aussi, mais... Attends, berline noire? Affirmatif. Ok, je crois que je la vois. Non, c'est bon, il n'y a plus personne. Avec moi, je vais te sortir le petit contrat. Non, mais il restait qu'une fiche, c'est pour ça que l'autre revient. Bonsoir, messieurs, ça s'est bien passé? Très bien, pour moi. Oh merde, excusez-moi. Bordel! Pas si bien que ça, finalement. Eh hey, mais t'as pas les employés, mais qu'est-ce qui t'arrive, putain, t'as là beaucoup. T'as pas les employés, augmenté, ouais. Je vois que c'est mon point. Non, je les entraîne, mais tu connais bien que j'ai fait de la boxe et... Ouais, et mais t'es obligé de montrer aux nouveaux employés que t'as fait de la boxe ou quoi, bordel? Ouais, faut pas qu'ils fassent trop les malins. Ouais, bah là... Là, je suis prévenu, ouais. Bonjour, monsieur Gino, vous êtes Allô disponible? Oui, on est disponible. Allez à un endroit, donnez-nous un point avec Rosso, s'il vous plaît. Oui, y a pas de souci. Je vous envoie ça.
à tout de suite. Bah, du coup, je vous laisse faire ce que vous voulez. J'ai pris votre numéro. Ouais, bah, je vais commencer. Hein. Voilà, si vous avez des questions, un petit SMS ou un petit mail. Et moi, avec le directeur, vous voyez là, on va peut-être aller voir des putes. Allez, il vous a tout expliqué, c'est bon, vous savez comment prendre le service. Ouais, ouais, pas de soucis, je vais me changer et je vais tester tout ça. Merci. Vous avez un beau jouet sur le canapé. Ah, ça, vous inquiétez pas, on sait faire de bonnes soirées ici. Hein. Ouais, je vois ça, ouais. On vous invitera. Il faut que le Tino et tout, parce qu'il vit qu'il bosse. Faudra penser à le ranger, cette merde. Ouais, tu sais que c'est l'humour hein, au-dessus. Il faut que j'aille voir avec Rosso là pour la vente. Ouais, et faire un tour à l'hôpital après. Je de Silver, je viens de recevoir la pause de Gino et Vito. Vous l'avez ouais, eu Ouais, j'y vais. À tout de suite là-haut. Gaga, c'est quoi ça, un lapin, putain? Saloperie de lapin! Y'a un lapin à PC si tu veux, juste devant, si t'as un couteau. Ouais, bah ça tombe bien, ma moto fume, je pourrais en faire un. Attends, putain, elle est où ma moto? Elle est juste à droite là. Ah ouais, putain, je suis aveugle. Je vais à la réunion pour la vente de la raffinerie et je vais pousser à la salle. Alors, comment ça va, Magalagan? Ça va très bien, et vous? Ça va, venez, on va dans le salon. Pourquoi y'a une cinquième personne, messieurs? Ouais, c'est normal, c'est Eddie. C'est Eddie, il est garde du corps aujourd'hui. Il est garde du corps juste aujourd'hui. Eddie, tu te mets là. C'est pas un garde du corps que vous avez besoin. Hein. C'est un garde c'est quoi du. Ah bah, c'est un garde par balle parce que là. Ah oui. Et ça. Ah, on en parle de ça. Ça. Voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe? Comment voilà. Vous avez ça là? En travaillant, en faisant. Par hasard. Attendez. G36C, c'est pas mal. Va falloir m'expliquer ça quand même. Hein. Non, oui. Sérieusement, tu vas pas me croire. Ah, non, je pense que je vais pas te croire. Non, vas-y, explique-moi ça. Parce que par rapport à hier, ça a bien changé quand même. Hein. Bon, on s'est fait deux banques. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Allez, bon, asseyez-vous, monsieur. Ok. Je m'assois, tu t'assois. Mais en même temps, je suis chez moi. Je m'assois où je veux. Oui, c'est pas faux. Oui, tu t'assois où tu veux, oui. Vous savez pourquoi je vous ai convié? Vous allez bien, monsieur Tino? Vous nous entendez? Arrête de te toucher en public, je t'ai déjà dit que ça se faisait pas. Mais de quoi? Je ne fais pas mais de bêtises. Mais tu vois pas ce qu'on fait là. Restez avec nous, s'il vous plaît. Putain, mais nous, je suis là. Il est en train de se donner du plaisir là. Oui, je comprends bien, oui. Bon, écoutez bien, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi vous êtes tous ici? Bah oui, parce qu'on s'est chez nous. Non, oui. Oui, sûrement, oui. Il y a monsieur Rosso qui voulait vendre sa société, j'ai pensé à vous deux. Si, bah on avait compris ça. Voilà. Donc, combien vous la vendez, monsieur Rosso? C'était 50 000. C'était 50 000. Est-ce que ça vous va, monsieur? Oui, c'est oui, ça nous va. Vous avez encore besoin qu'on vous prête quelque chose? Bah je sais pas, tu veux nous prêter quoi? Est-ce que vous avez de quoi payer ou pas? Ça dépend si moi s'est occupé de nos affaires, oui. Ça dépend si qui s'est occupé de tes affaires? Moi. Je vois pas qui vous parlez, messieurs. Non, oui, c'est vrai. On voulait dire Mo Simpson, tu sais, mais le dessin animé. Non, je vois toujours pas ce que vous voulez dire, messieurs. Mo Simpson, ça... Non, mais je vais t'expliquer. Tu sais le type qui a... C'est bon, ferme-la, s'il te plaît. Parce que tu vas t'enfoncer. Bref, donc vous avez de quoi payer, c'est bon? Bah ça dépend. Vous aurez de quoi payer ce soir ou pas? Oui. Oui, est-ce normalement. Que vous pouvez déjà sortir au moins une moitié et payer l'autre moitié après. Par contre, vous pouvez pas y échapper à l'autre moitié, messieurs, hein, si ça va à Rosso. Oui, non, sans problème. Oui, okay. ça me convient. Est-ce que vous êtes au courant qu'être chef d'entreprise, faut pas faire n'importe quoi, messieurs? C'est lui, le chef d'entreprise, donc c'est à lui que tu parles. Oui. Oui, vous êtes vraiment sûr de ça? Vous engagez pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Hein. On est des professionnels. Ouais, mais on est des professionnels. Des professionnels, ça bosse pour remplir les caisses d'une société. Après, et tu crois qu'on a fait quoi cet après-midi? Bah, justement, j'ai mis les caisses, pas grand-chose. De quoi il parle? Ouais, de quoi je parle? Je parle que j'ai accès aux caisses et à la compta. Il y a rien qui est rentré, mais il y a beaucoup qui est parti, bizarrement. Bah, on a travaillé. Putain, mais c'est pas possible, ça. Vous faites de la gueule du monde, messieurs. On a travaillé toute la nuit. Ouais, c'est ça. Bon, oui. on est OK ou pas? On est OK. Si. Rosso, tu expliques comment tu veux fonctionner et... Oui, Rosso. Et Rosso, si t'as le moindre doute, faut que tu le dises maintenant, par contre. Oui, non, moi, c'est bon, ça me convient de vendre la société, ça m'arrange... Merde. Plus qu'amplement. Ça. Ouais, c'est si ça vous arrange, on dit 30 000. Non, 50 000. Ça arrange pas. 45. Pensez simplement que les bûcherons cherchent aussi à vendre la société, non. Et le gouvernement les oblige à la vendre 60 000, minimum, hein, début des enchères. Il a dit pas pour rien. Donc, bon, déjà, je vous fais 10 000 de rab. Par contre, messieurs... Bah, couche. Oui. Non, mais vas-y. Vous savez très bien ce qui va se passer, hein, à l'avenir, hein, une fois que vous avez cette société. Hein. Bah non, on attend que tu le dises. Bah non, t'as ton brin, c'est pas le pape qui te la donne, cette société. Hein. Bah non, c'est monsieur Rosso. Voilà, mais c'est pas que monsieur Rosso. Et ça, va falloir que tu retiennes ces choses-là à l'avenir. Ah bon, pour ma part, la société, ça me gêne pas de vous la vendre. Ouais, je vous ferai un petit tour avec l'un de vous deux, si ça vous arrange, pour apprendre un peu le parcours et connaître un peu les pièges que la vie attendu. Tu as dit, tu sais ce que ça veut dire derrière. Je veux que tu m'expliques. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Bah, tu me l'expliques. Bah, ça veut dire que tu la mets pas à l'envers.
faire, parce que là dans le contrat... Ah non, mais nous on va pas te niquer, voilà. Mais non, t'inquiète pas. C'est bien ce que je pensais. Bon bah voilà, c'est tout, finissez messieurs, finissez la vente, je vais vous laisser. Monsieur Rosson, on se parle plus tard. Ouais, pas de problème. Et vous non plus, hein, monsieur Lalanne, pas de coup de fourbe. Non, en attendant, vous nous devez bien plus qu'on vous doit, donc je compte pas vous fourber. Je vous raccompagne. Ah, merci. Oui, mais non, c'est l'inverse, c'est toi qui fais les affaires et moi je raccompagne. Oui, c'est vrai, vas-y, raccompagne-le. Venez, monsieur Magalagamanan, prenez la moto de votre choix. Bah, je vais prendre la mienne, en fait. Ok. Attends, bouge pas, là. Oui. Le Eddy, là, c'est un de tes hommes demain ou tu l'as juste loué une soirée, là? Non, il se faisait chier, donc il m'a accompagné. D'accord, ok, très bien. Bon, messieurs, on reparle un peu plus tard, ok, quand vous avez pris connaissance de la société. Ah, si, no problème. Allez, et tes hommes demain, t'as des nouvelles? Ma réponse est la même. Ok. D'accord, je vois. Bon allez, bonne journée, monsieur. Vous avez des nouvelles de Duval? J'ai vu son taxi vert se balader aujourd'hui. T'as pas vu son taxi vert parce qu'il bosse plus avec nous? Ah si, je l'ai vu, son taxi vert. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui a dû l'emprunter. D'accord, ok. Tu les as pas vus et t'as pas eu de nouvelles de... Si, j'en ai vu un à l'hôpital. Ouais, moi aussi, tout à l'heure, je l'ai vu. Ok, ok. Il parlait avec des flics, d'ailleurs. Ouais, exactement. T'as fait deux banques, là? Si. Tu voudrais encore de l'aide pour le blanchiment ou pas? Non, avec on s'est directement payé en armes. Ok, ça roule. Bon allez, passez une bonne journée, messieurs. Aussi, grazie mille, arrivederci. Ah, tes souhaits. Ouais, ça va, moi? Ouais, ça va. Ça y est, tu peux virer Gino, Tino, mes couilles qui finiront haut, là. Ouais, c'est bon. Et je vais prendre l'autre, là, je vais lui donner rendez-vous, je vais l'appeler, là, et je vais lui donner rendez-vous. Bonsoir. Ok. Non, l'autre là pour qu'il bosse. Et d'ailleurs, tu pourras embaucher Rosso dès qu'il t'appelle. Je vais dire de t'appeler. Okay. Dès qu'il a donné la succession de droit, ça roule. Ouais. Et je vais prendre l'autre portugais, comme ça les deux places, deux nouvelles places sont prises. Vas-y, Rosso était déjà compté en fait. Ah d'accord, donc, il reste encore une personne potentielle. T'as une idée ou pas? Non. Ok, ça roule. Bon bah allez. Ouais, ici Azur, est-ce que quand la transaction sera finie, tu pourras appeler moi s'il te plaît, qu'on me donne la succession aussi et que tu bosses avec nous? Fin de transmission. Je vais à la salle, messieurs, que Dieu me protège. J'étais en route pour la salle aussi. Oh putain. Salut. Ouais, t'es bien ridicule. Oh, il m'a, putain, le mec. Bon alors, quoi de beau? Qu'est-ce que tu fais, putain? 67. Mais attends, mais là, je vois des trucs bizarres, là. Je dis, qu'est-ce que tu vois, toi? 69. Et j'ai croisé... Ouais. J'ai croisé, Ouais, t'as croisé quoi? T'as pas trop mal au dos, là? Ah, putain, tu m'as poussé. Je suis à côté, là. C'est pas grave. Tu disais... J'ai croisé un ancien de chez toi là. Ouais, qui? José. Ouais, et alors? Mais il m'a dit qu'il était revenu du continent là, il a rénové la maison de Cristiano Ronaldo, il m'a dit. Ok. Et alors? Bah voilà, tout ça pour dire qu'il était de retour quoi. Ouais, justement, j'ai croisé là. J'ai lui parlé et on verra ce que ça donne. Ah putain, ça fait du bien de soulever un peu. Ouais. Ah, mon pied! Un peu de sport, ça fait plaisir. Ah, t'as réussi à mettre ton téléphone sur ta barre au milieu, putain, c'est incroyable. Ouais, il y a un emplacement spécial, okay, maintenant. D'accord. C'est le high muscle, tu connais pas? Ouais, non, je connais pas, ok. Putain, c'est bien foutu, hein. C'est 2000$ dans l'Apple Store. Putain. Ouais, c'est cher, ouais. J'attends de voir mes salaires, hein. On verra fin d'année à Noël, hein. Moi, j'ai fait des notes de frais, moi. Hop. J'ai créé un SMS avec mon nez. Je vois ça, ouais, ça doit être long, hein. Ouais. Quoi que t'as vu la nouvelle fonctionnalité de l'iOS 13 là? C'est lequel? C'est le l'iOS 13, il vient de sortir là, putain. Tu l'as pas fait ou quoi la mise à jour? Si. Eh ben tu peux écrire juste en glissant, en ridant ton doigt là sur le clavier là. Ah ouais, attends, je sais. Donc tu fais ça avec ton nez, tu verras, ça fonctionnera. Vas-y, attends. 874. D'ailleurs, t'as mis ton téléphone en mode nuit ou pas? 875. En mode nuit ou pas alors? Ouais. Moi, je le mets en mode nuit, la nuit seulement. Oh. Attends, j'attends quelqu'un là. Il commence à faire beau là, hein, putain. Alors que pourtant, tu vois, il n'y a plus de saison, je te l'ai dit. Hein. On quitte l'été, il fait de plus en plus beau, quoi. Ouais. Incroyable. T'aimes bien ma petite tenue là au fait? Ouais, ça fait une semaine que c'est je l'aime, je trouve qu'elle est aux petits oignons, elle est sympa, hein. C'est pas mal. Ouais, j'attends le José bon. Là justement là. Ouais, bah moi je vais aller jouer à chat devant le comico. Ah putain. Mais une bonne grosse patate, tu vois les bonnes pommes de terre, bah, il y a 12 et 59, ils m'ont chauffé là, donc je vais mettre quelques droites. Vas-y, je vais mettre des droites. Allô. Attends, je viens juste. Non, c'est bon. J'avais une intervention au nord. Ouais. Sauf que j'ai vu personne, mais ouais. C'était un taxi vert abandonné. Y'a quoi? Et un taxi vert qui était abandonné sur les lieux d'accident. Ouais, comment il a réussi à le sortir? Aucune idée. Ouais, il était plus en.
était plus en fonctionnement et j'ai vu personne. Ok, tu peux m'envoyer les coordonnées ou pas? Ça va être compliqué, mais je vais sauter encore. Ok, vas-y. Donc viens, je te mettrai si tu veux. Bah ouais, mais faudra. Ok, vas-y, j'arrive à l'hôpital. Ah, bien pris. Ouais, ici Azur, t'as bien retiré les droits de monsieur Dave. Alors comment ça se fait qu'il y a un taxi vert abandonné dans le nord? Parce que je l'ai peut-être redistribué à quelqu'un d'autre. Et tu l'as redistribué à qui? Diego. Ok, bah appelle-le, parce que soit il s'est fait embarquer, soit il y a un problème. S'il a un mal de crâne, j'arriverai pas à le joindre. Et tu crois qu'il a un mal de crâne? Parce que ça a l'air abandonné, style bizarre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Essaye de voir, s'il te plaît. Silver, c'est quoi votre tenue de taxi? Comment ça, c'est quoi notre tenue? Quoi elle ressemble? C'est exactement la même que la tienne pour blanc. Tout le monde? Ouais, c'est exactement la même, ouais. D'accord, ton mec s'est fait enlever, il a été entraîné dans un braquage de banque. Ah! Orchestré par la Familiz. Les Familiz? Un braquage de banque? Vito et machin, ils m'ont laissé à côté du braquage pour essayer de se goumer le Familiz. Attends, ils sont en train d'essayer de le goumer là? Non, ils sont partis, mais ils arriveront jamais à le rattraper, il avait une Santorno. Putain, mais qu'est-ce qu'ils branlent? Ils viennent d'avoir une société. Ah putain, ça y est, t'as eu ta succession, enfin tes taxis ou pas maintenant? Négatif. Okay, on n'a pas pu le faire, ils voudront le faire demain. Ah, parce que les Italiens, ils sont en train de s'occuper de les familles, c'est ça? C'est ça. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils branlent encore? Ok, très bien. Allez. Dis-moi, Silver, t'aurais moyen de venir me chercher dans le nord ou pas? C'est toi, Silver. Oui, justement, je te demande de l'aide, Poison. Fuchsia, tu peux me conduire à l'hôpital? Merci. Ok, Poison, je déménage du groupe. Oh putain, c'est pas vrai, hein. Ouais, pourtant, tu crois que je suis comme une moto, le vélo ou quoi? Mais tu crois que je suis comme une moto, j'en ai rien à branler. Bon, écoute. Oh bah. De quoi? Oh bah, j'adore le vélo, hein. J'en ai rien à branler. T'as un putain de casque ou pas? Hein? T'as un casque? Non, j'ai pas de casque. Bonjour, j'en bats les couilles. Écoute-moi bien. Je veux bien te mettre taxi, d'accord? Ouais, pas grave. Par contre, on va être clair à ce niveau-là. Quoi? T'es parti de la ville, t'es revenu. Tu pars, ouais, je sais ce que j'ai dit à moi. Si jamais t'es taxi, t'arrêtes tes conneries immédiatement. Tu bosses, tu poses pas de questions, t'essayes pas de faire des trucs chelous, ok? Non, t'inquiète, là, je t'ai dit, comme j'ai dit à moi, j'avais mon cousin qui travaillait à la maison de Cristiano, je pouvais pas refuser ça. Mais là, tranquille, mais là, c'est bon, vas-y. Et tu me passes sérieusement, ok? Bah bien sûr, je crois que je passe sérieux ou quoi? Ouais, radio, est-ce que s'il te plaît, vous pouvez m'envoyer l'immatriculation de la voiture qui reste libre, qui appartenait aux Italiens, s'il vous plaît, pour que je la donne? Au portugais. Tu veux la donner à José? Ouais, une des deux. Donne-lui ZCT 330. Il voyage en taxi, il va falloir la frontière italienne. Écoute, retiens. ZCT 330, tu retiens ou pas? Note-le quelque part, ça sera. Ouais, je note, là, je note. Non, attends, donne-lui M4W. L'autre, il est en fourrière, ce véhicule. Lui, MKW 780. Ok, bien reçu, fin de transmission. MKW, t'auras. Note MKW à la place. Ah putain, c'est ZCT ou MKW, merde. De quoi? C'est ZCT ou MKW, là? C'est MKW, putain. MKW quoi? Juste ça? Non, il y aura un numéro après, mais tu le noteras quand tu le verras. Va juste falloir que tu calmes un peu tes pulsions, hein. Quelle pulsion? Bah tes pulsions meurtrières, là. T'as envie de doubler tout le monde à chaque fois? Mais j'ai envie de combien de personnes, moi? Je rentre... T'es fou, bah, hein. Justement, j'espère que le soleil t'a pas trop cul le cerveau. Non, pas du tout, t'es fou, j'étais dans la piscine à Cristiano, tranquille. Ok, tu vérifies de temps en temps qu'on n'est pas suivi, s'il te plaît. Vas-y, hein. J'en ai suivi, je fais quoi? Bah tu me dis. Ah ouais. Ça serait pas mal. Ouais, t'as pas l'impression que je te sers de bouclier, là? De quoi? T'as pas l'impression que je te sers de bouclier, là? Mais non, tu sers à rien du tout, putain, t'es juste de la chair à canon au pire. Oh, je sers à rien, vas-y, ça marche. Ouais, voilà, tu vois ce genre de pulsion par exemple. Moi je rigole, putain. Allez, je te donne les droits. Dès que t'as ta tenue, je veux te voir sur la route, ok? Sur ton beeper, okay. T'as un bouton F6, tu te souviens ou pas? Ouais. Voilà, ça va pas changer, tu factureras et tu feras l'émission, ça marche? Ok, ça marche. Allez, dépêche, va bosser. Vas-y, c'est où la tenue là? C'est là-bas. Je sais pas, je connais pas le local, hein. Tiens, tu t'assieras là, quand il y aura des réunions, ok? Ok. Où ça? Oh non, je me joue pas là, moi, il est fou. Allez, là tu mets ta tenue. Hein? Chia pour tu God. Ah ouais, devant la SPD, je t'attends pour jouer à chat. J'arrive aussi, hein. J'arrive. Allez, c'est ZCT en taxi. MKW. Mais je rigole, je savais. C'est combien le kilomètre? Tiens, tu vas voir Sophie et tu lui rendras évidemment. Tu fais 35$ le kilomètre. Ok, ça marche. Et je note tout ce que je fais? Fais des trucs raisonnables. Ouais. Mais des vrais. Des clients, t'en auras pas beaucoup. Donc tu pars surtout en mission, c'est le plus important. Ok, ça marche. Voilà. Allez, tu bosses bien, t'auras des augmentations rapides, t'auras des primes aussi. Vas-y, ça marche. Et me déçois pas cette fois-ci, s'il te plaît. Maintenant. C'est la dernière, hein. Sur Cristiano, promis. Allez, voilà. Ciao. Sur Cristiano. Y'a plus de médecin en service, hein, donc évitez de jouer à chat. Rien à foutre, tu reprendras du service.
Ouais, non, flemme. Eh, si tu le fais pas toucher et que t'es pas le chat, y'a aucune raison d'avoir deux médecins. Hein. J'arrive. Ce sera 12 le chat, t'inquiète. Non, faut que ça soit. Eh, s'il te plaît. Les gars, faut qu'il y en ait un qui fasse un chat avec 74, s'il vous plaît. T'inquiète, c'est prévu. Ah, c'est prévu. Je m'en occupe personnellement. Je comptais pas trop sur toi, je t'avoue, Gold. Hein. Ouais, parce que même la dernière fois, on m'a soupiré. Eh, t'as rien mis comparé à moi, t'inquiète pas. Mais ouais, finira dans une cave, hein. Vous le savez. Hein. Ah, je suis d'accord. Johnson ? Ouais. Je peux te poser une petite question. T'as dépensé combien en klaxon là en tout là 200 balles pourquoi? Ah, ça va. Coûte que 200 balles? Bah ouais, bordel. Oh putain, vas-y, je vais faire ça. On vit qu'une fois, faut se faire plaisir dans la vie. Sur toutes mes camionnettes, je vais faire ça. Attends, y'a combien? 44. Ah, nickel. Parkinson va chercher 74. Bah, je sais pas où aller. Non, ramène aussi 12 histoire que je fasse. Oh, je me suis trompé. Est-ce qu'il fait, je la démonte déjà aussi. Ouais, mais une bonne patate, hein. Un bon truc bien concentré, tu vois. Et avant, je vais mettre mon poing dans mon slip. Je leur dis qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler. Et j'ai envie de l'éclater, putain. Rien que de dire 74, je serre les dents, bordel. Je vais mettre mon poing dans mon slip bar, comme ça, elle aura l'odeur. Vas-y. Mets ton poing dans l'arrêt du cul. Vas-y. Ouais, je fume une clope, te foire pas, putain. J'ai pas envie de recevoir un coup de merde. Mais il faut qu'il y en a plusieurs, comme ça je fais. Ah, je me suis trompé, quel dommage. Non, tu dis c'est toi le chat et tu cours et tu tires, putain. Non, personne. Comment ça, y'a personne? Bah, toutes les portes à l'intérieur sont fermées. Bon, ça vous tente de faire un peu de guitare alors? Ouais, ah, j'adore. Allez, viens.